Let your yes be yeah, and your no be nah. Let your yes be yeah, and your no be nah. Let your yes be yeah, and your no be nah. Let your yes be yeah, and your no be nah. We're on fire, burning bridges. We don't have plans on crossing back again. Come on and spell it out. Put the words in our mouths. If it is what it is, easy listening. John Rubin. All right. A good song. I have one last song for you, the special song. I don't know how, like I said, I don't know how special it is, but it's something, it's a Christmas song for you all, since we're already the day before Christmas Eve. So it's just kind of a song to kick off the holiday. And as you hope you all have fun as well, celebrating our Lord's birth and spending time with your families, because that's what it's all about. The last song I have for you is actually a version of the old Frank Sinatra song "White Christmas." It's pretty right there with the actual version. I mean, I couldn't notice much of a change other than the melody is more of like somewhat karaoke-ish, but anyway, it's the best song I could find, and it's sung by, of course, yours truly, me, Ty. So, it's my Christmas gift to all of you. Not that it's the best in the world, but hey, it's the best I can do. So,
without further ado, this is White Christmas, Frank Sinatra version, sung by yours truly, Ty. I wish you all a very Merry Christmas, a Happy New Year. God bless you all, and have fun with your families. Catch you next time. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas, everyone, and have a Happy New Year. God bless. What's good, homie? Une fois de plus, homie. Yeah. C'est ton boy, c'est HRIST. OK. Holy everything. Holy flow, holy everything. Holy rap, holy ghost, holy everything. I'm not walking by sight, I'm walking by faith. I'm not doing for my own glory, I do for God's fame. Holy swag, holy flow, holy everything. Holy rap, holy ghost, holy everything. I'm not walking by sight, I'm walking by faith. I'm not doing for my own glory, I do for God's fame. Mon flow, ça est l'esprit qui me guide. Scène doit être ta musique si tu veux faire partie de ma team. Vu que je rappe holy, je le fais pas pour la monnaie, je le fais pour la gloire d'un seul nom. Et ce nom, tu le connais. Jesus, swag means saved with amazing grace. Jésus est prêché de l'Asie en Afrique jusqu'à la République. Check, check le flow est saint. Croire en Dieu sans croire que Jésus Christ est son fils. Homie, ce que j'appelle croire en vain. Dieu m'a racheté un grand prix d'une valeur de 100.
en fils, cloué sur un crucifix. Je le méritais pas, mais apparemment sa grâce a suffi. Pour une demeure dans la Jérusalem céleste, je suis un citoyen du paradis. No cocaine, Jesus blood is running in my big vein. En plus d'être mon sauveur, mon roi des rois, il est mon bichène. Pour que tu comprennes que Dieu est amour. Donc Jésus t'aime, c'est dans la vie, faut prendre des chemins, c'est celui de Jésus qu'il faut que tu prennes. Holy swag, holy flow, holy everything. Holy rap, holy ghost, holy everything. I'm not walking by sight, I'm walking by faith. I'm not doing for my own glory, I do for God's fame. Holy swag, holy flow, holy everything. Holy rap, holy ghost, holy everything. I'm not walking by sight, I'm walking by faith. I'm not doing for my own glory, I do. Je fais pas de la world music, je fais de la musique pour le monde. Jésus revient bientôt et si je le sais, c'est pas grâce à ma montre. Je prie pour Danny King, je prie pour TKS, je prie pour Kevin Cole et je prie pour toute la famille Bentley. On vit qu'une seule fois, alors fais-le avec excellence. Mon Dieu règne au-dessus de toi avec honneur, gloire et puissance. Je pourrais vivre dans sa présence jusqu'en faire une overdose. Le paradis c'est pour nous, comme dit Youth, l'enfer c'est les autres. Comme la Bible, mes textes sont inspirés par le Saint-Esprit. Holy everything, si jamais t'avais oublié c'est quoi le titre. Y'a pas de bif, depuis que j'ai appris à aimer mes ennemis. Comme B2O, priez pour moi, je prie pour mes ennemis. Ah, l'enjeu c'est pas qu'on business marche, l'enjeu c'est l'éternité. Donc sur les pas de Jésus-Christ je marche. Tu peux avoir la foi et en même temps être un businessman. Je fais du business afin que le royaume de Dieu prenne plus de place. Holy swag, holy flow, holy everything. Holy rap, holy ghost, holy everything. I'm not walking by sight, I'm walking by faith. I'm not doing for my own glory, I do for God's fame. Holy swag, holy flow, holy everything. Holy rap, holy ghost, holy everything. I'm not walking by sight, I'm walking by faith. I'm not doing for my own glory, I do for God's fame. Holy swag, holy flow, holy everything. Holy rap, holy ghost, holy everything. I'm not walking by sight, I'm walking by faith. I'm not doing for my own glory, I do for God's fame. Holy swag, holy flow, holy everything. Holy rap, holy ghost, holy everything. I'm not walking by sight, I'm walking by faith. I'm not doing for my own glory, I do for God's fame. Thank you.
consolateur et il agira en ma faveur, car j'ai la certitude dans mon cœur qu'il guérira et qu'il réunifiera comme au jour d'autrefois. Ce problème se change, les temps et circonstances. Oui, pendant si longtemps, tu as cumulé. Maintenant, décharge-toi sur lui. Au fond de moi-même, j'ai toujours voulu un Dieu qui ne ferait pas exception de personne. Bonjour, bienvenue dans C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir que si Dieu ne fait pas d'exception, il fait des destins exceptionnels, comme celui de Salah Challah, ancien musulman dont Christine Raymond vous offre une petite tranche de vie. Salah Challah est kabyle et aujourd'hui pasteur responsable d'une communauté chrétienne à Tizi Ouzou, à une centaine de kilomètres d'Alger. Mais avant cela, Salah était musulman, étudiant universitaire avec beaucoup de questions. Il l'avoue lui-même, il était secrètement en recherche d'un Dieu différent. Et Salah, vous êtes pasteur. C'est quoi un pasteur en fait? C'est un responsable d'une communauté chrétienne. Et pour vous, c'est quoi un métier, une vocation? Non, beaucoup plus une vocation. Je ne me suis jamais dit que je serais là aujourd'hui en tant que responsable ou pasteur. C'est jamais passé dans mon esprit. Quand vous étiez un petit garçon, vous vous êtes pas dit un jour je serai pasteur? Non, mais peut-être imam plutôt, parce que l'Algérie est une société musulmane, donc. Alors, qu'est-ce qui a fait que le petit garçon qui aurait peut-être pu devenir imam est devenu un pasteur? Quand j'étais à l'université, c'est la première fois que j'étais en phase de recherche, parce que j'avais refusé Dieu dans ma vie, tout au long de ma petite jeunesse, parce que le Dieu qu'on me présentait ne remplissait pas mon cœur, ne comblait pas le vide qui était dans mon cœur. Et moi, je trouvais injuste qu'un Dieu puisse imposer une langue
élever une langue par rapport à une autre, une nation par rapport à une autre. Moi, j'ai toujours, au fond de moi-même, j'ai toujours voulu un Dieu qui ne ferait pas exception de personne. Ça, vous en aviez déjà très conscience à ce moment-là? Oui, j'étais... C'était important. C'était important, vu que nous sommes une minorité, hein, donc sur le plan linguistique, c'est des Kabyles, c'est des Berbères, on est perchés dans les montagnes de la Kabylie, on avait notre langue, c'est le Berbère, et on avait nos particularités, nos traditions, qui n'avaient rien à voir avec les autres régions. Voilà, c'est ce sentiment d'être rejeté, c'est comme si Dieu était complice de notre mise en quarantaine. Voilà, ce Dieu qui nous présentait, on l'imposait. Moi, je ne voulais pas de ça. Donc à ce moment-là, vous étiez étudiant et vous étiez dans toute cette réflexion. Oui, j'étais dans cette réflexion parce que c'est une période, l'université est une période exceptionnelle dans la vie d'une personne. T'as toutes les philosophies, t'as affaire à des communistes, à des socialistes, à des islamistes, à un tas de philosophies. Et ça, c'est très riche. Et donc je pense que c'était la période, elle coïncidait, elle répondait plutôt à mon désir de chercher un peu plus. Donc Dieu... je dirais Dieu parce que je suis croyant aujourd'hui, sinon je dirais le hasard, m'a mis en contact d'un chrétien qui est un Kabyle comme moi, né dans des montagnes, fils de montagnard, et puis me présenter un Dieu qui n'avait rien à voir à ce que m'ont présenté ma culture, enfin les musulmans. Un Dieu qui est proche des hommes, qui écoute les hommes, qui voit ce qui est au fond du cœur et qui est capable de communiquer avec la langue maternelle et qui connaît toute l'humanité, qui transcende les cultures et les civilisations. C'est ce Dieu-là, au fond de moi-même, que je recherchais. J'avais des difficultés, certes, parce que ça a pris 6 mois. En fait, j'avais vécu une crise, un combat intérieur pendant 6 mois. Vais-je accepter ce nouveau Dieu, entre guillemets, ou regagner la foi musulmane? C'était un combat parce que mon cœur voulait de ce Dieu-là, mais ma raison me disait peut-être que c'est un mensonge, parce que disent l'évangile muharraf, c'est-à-dire n'est pas authentique, et c'est ce qui m'a poussé à prendre un temps de réflexion. Donc après 6 mois, j'ai pu quand même accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et donc c'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes dit « mais j'aimerais devenir pasteur ?» Non, du tout, du tout. Pour moi, c'était une satisfaction intérieure. La peur que j'avais de Dieu, parce que j'ai peut-être omis de le dire, je disais aux gens que je ne croyais pas en Dieu, je faisais des choses qui montraient que je ne croyais pas en Dieu, mais quand même j'avais cette peur de Dieu. Qu'un jour viendra que j'aurai affaire à lui. Et en fait, dès que j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est comme si Dieu a mis sa main dans mon cœur, il a arraché cette crainte, cette peur, et il a mis sa paix. Il le dit dans la Bible, la paix qui surpasse toute intelligence. Donc il a mis cette paix, c'est-à-dire ce que je cherchais depuis toute ma jeunesse, je l'ai trouvé le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et c'est pour la première fois de ma vie que je pouvais être en paix, et que je me disais, aujourd'hui je peux mourir. Je n'ai plus peur de Dieu. Et ça, c'est formidable, c'est une chose, je pense que tout être humain recherche, au fait, c'est cette réconciliation avec Dieu. Et puis, j'étais satisfait, j'ai pas cherché à devenir un pasteur, ou je ne sais pas, je n'avais même pas ces idées-là, quoi. Parce que à l'université, vous étiez en recherche d'un métier, enfin, vous étiez... J'ai un diplôme de biochimie, donc... je désirais en fait travailler dans un labo de recherche, comme tous les jeunes, quoi. Mais le Seigneur a fait tout autrement. فدوث الدود يثران سويني وثان نقول قد ما سلقيس العنايان ما بينوان كل شي سلميزان زرت مخيس ركث مكاوميس
أتجاذن وما حلون يوجي عشقان أتجاذن وما حلون يوجي عشقان سيريان خلق ذي الزين. La foi de Salah s'inscrit dans un contexte bien particulier. En Algérie, l'islam est la religion d'État et les pressions à l'encontre des chrétiens sont nombreuses. Mais étonnamment... Le cœur est en paix. Donc malgré qu'on a des persécutions, malgré qu'on a des pressions de la part de tout notre entourage, mais on est en paix. Et c'est ce qui aide les croyants à continuer de marcher en Christ. Donc pour moi, je ne fais pas d'efforts dans le sens où de motiver les gens, c'est-à-dire c'est comme si de les influencer parce que j'ai cette conviction en moi que c'est Dieu qui les convainc et c'est lui qui met cette paix dans leur cœur et dès qu'ils sont en paix, ils peuvent faire tout, voilà, sans penser à tout l'entourage. Voilà. Est-ce qu'on peut dire quelque part que vous avez peur de rien ? Oui, bon. Oui, je pense qu'on a dépassé cette dimension de peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des pensées comme ça, des craintes, c'est pas ça. Mm-hmm. Mais on ne veut pas répondre à la peur. Mais on est, je dirais que le chrétien est conscient en Algérie qu'il doit payer le prix. Jésus a été très clair, il nous a avertis et nous le vivons. Il a bien dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Donc, c'est pas la fête. Les gens ne se réjouissent pas de notre conversion, au contraire. Et il a dit aussi, comme ils m'ont haï, ils vous haïront. Donc, c'est ce que nous vivons. Mais encore, il nous encourage en disant, s'ils m'ont écouté, ils vous écouteront aussi. En fait, nous avons espoir que les Algériens vont nous écouter si nous demeurons fidèles au Christ. Peut-être une dernière question encore, Salah. C'est quoi qui vous passionne le plus dans cette vocation de pasteur ? Ce qui me fascine le plus, c'est à chaque fois que je lis ce que a dit le Seigneur. Il dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, il est le chef de l'église et c'est lui qui l'a bâti. Nous ne sommes que de simples outils, hein, j'exagère, mais quand même, on est des personnes dans son cœur. Mais il veut composer avec nous. Ce qui me fascine le plus, c'est que Dieu collabore avec les hommes. C'est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité. Donc quand il a dit ça, c'est que c'est pas une construction physique. On voit pas Jésus qui prend les briques et qui monte. C'est une construction spirituelle, tu vois. C'est mettre les gens ensemble pour qu'ils puissent communier, c'est-à-dire partager les peines et les joies, les échecs et les réussites, c'est-à-dire un ensemble de personnes, un corps spirituel, si j'ose dire, une véritable communion. Je pense que c'est ça l'Église. C'est que Dieu veut bâtir. Il veut que les hommes, comme ils se sont réconciliés avec Dieu, maintenant Dieu veut que les hommes se réconcilient les uns vers les autres, qu'il y ait une réconciliation horizontale entre les hommes. Et s'il n'y a pas cette réconciliation avec Dieu, on ne peut pas vivre ensemble. Donc Jésus, il est venu déjà pour régler le premier problème et il nous aide encore aujourd'hui pour que nous soyons ensemble, unis avec lui en esprit, évidemment. Alors, c'est être unis avec les autres personnes de la communauté, comme on l'a bien compris, comme vous venez de l'expliquer. Et comment vivre alors avec votre entourage, avec vos amis musulmans ? Le plus important pour nous, c'est d'être des témoins. Nous savons une chose, c'est que c'est Dieu qui convainc. Je ne peux pas convaincre un homme. Si j'arrive à le convaincre, alors je deviendrai de fait manipulateur. Si c'est moi qui influence la personne, alors je serai manipulateur et menteur devant Dieu. Mais si j'ai cette conviction que c'est Dieu qui convainc, alors Dieu me demande une chose, c'est d'être témoin de la vérité, tout simple. De partager ma foi, d'expliquer comment le Seigneur m'a trouvé, qu'est-ce qui a changé, comment j'étais, comment je suis aujourd'hui. Et au-delà de la parole, c'est la vie en fait, c'est la vie au quotidien. Et ça c'est important pour nous.
Donc garder le contact, toujours. Dieu n'a jamais rompu le contact avec l'humanité. Et il nous demande aussi d'être semblables à lui. D'être des témoins de son amour, de sa bonté, de sa patience. Et ça, c'est important. Ça nous demande un sacrifice, mais nous l'assumons parce que son esprit nous aide chaque jour. Merci beaucoup pour ce témoignage, Salah. Merci. Après cette magnifique chanson kabyle de Brahim Taïeb, l'heure est venue de refermer le livre de l'histoire de Salah Chala. Cette émission a été signée, vous le savez maintenant, Radio Réveil bien sûr. Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook et on attend aussi votre visite sur notre site www.parole.ch. À plus. Pour une colombe de plus, nous prenons des décisions. Où est Jean Aptan nous? Viens sauver nous. Où est Jean Aptan nous? Viens délivrer nous. Où est Jean Aptan nous? Nettoyer nous. Où est Jean Aptan nous? Purifier la vie nous. Où est Jean Aptan nous, Seigneur? Alléluia! Car sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Où est Jean Aptan nous, Seigneur, nous jouons tout plaisir dans la loi, yo. Nous jouons tout plaisir, nous, Seigneur, dans le commandement, yo. Nous jouons tout plaisir, nous, Seigneur, dans la parole, dans le livre de loi, là, par la grâce. Bonne la vie pour nous faire louange, bonne nous force pour nous faire louange, bonne nous parole de louange pour nous faire louange. Mets des paroles de louange sous bouche, nous, Seigneur. Alléluia. Mais des paroles où il fallait l'eau dans la bouche nous. Oh Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi, Père grâce, car Sauveur, nous prend plaisir, nous. Alléluia. Pour nous faire louange, pour nous parler de nous-mêmes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Nous voulons parler de loyaux. Nous voulons pas parler. Parole de loi, yo, papa. Mais nous la vie, oh Dieu, pour nous faire louange. Alléluia, alléluia. Pour qu'à venez aider nous. Pour qu'à venez aider nous, Seigneur. J'en ai décidé là. J'en ai gagné la pensée là. J'en ai gagné le livre de loi. Alléluia, nous prenons plaisir.
Jésus nous va l'or, car c'est où nous gagnons, c'est où nous cherchons. Nous t'en coup, alléluia, un bon monde qui sans famille, nous t'en coup, un bon monde qui sans papa, qui sans maman, éternel, c'est où même qui maman nous, c'est où qui papa nous, t'en prie, s'il vous plaît, Seigneur, viens nous, Seigneur Jésus, viens chercher, alléluia, viens chercher pour elle, gardez pour elle, soit nous sommes mauvaises voies, conduis-nous dans la voie de l'éternité, parce que nous ne pouvons jamais oublier commandement, yo. Parce que nous ne pouvons jamais oublier commandement, yo. Nous ne pouvons pas rester loin, yo. Nous ne pouvons pas rester loin, Seigneur. Nous voulons crier sous table que nous voulons crier sous porte nous voulons crier sous menu, nous voulons crier, Seigneur Dieu, même Jean te dit la parole de l'or, alléluia, pour nous écrire parole de loi, yo. Partout, côté nous y est, Father God. Seigneur, merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous continuez à faire. Merci pour ce que vous continuez à faire. Merci, alléluia, pour réponse à Bano. Merci, Seigneur, pour la vie à Bano. Merci, Seigneur, pour protection à Bano. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, pour force à Bano. Merci, Seigneur, pour renouveler, intelligence, nous. Merci, Seigneur, pour parole de vie à Seigneur Dieu. À Bano de plus en plus. Merci Jésus, oh Dieu pour famille, mon Dieu. Merci Jésus pour le Saint-Esprit, alléluia, qui te promet au jour de la Pentecôte pour nous-mêmes, papa. Merci Seigneur pour parole de vie. Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus pour le peuple de Dieu. Merci Jésus pour la main sur la terre éternelle, qui a nettoyé Kowa, qui a purifié Kowa, qui a changé Kowa. Éternel, nous disons merci, Father Lord, merci Seigneur pour famille ou nous, merci Seigneur, alléluia, pour le ministère de Dieu, Father God, dans temps ça, dans mauvais temps ça, pendant temps masqué, pendant temps dans mania ton lit, alléluia, dans mauvais temps ça, Seigneur. Oh Dieu, combien nous devons, combien nous devons, papa, combien nous devons l'amour sans fin, combien nous devons, alléluia, pour un si grand amour, qui te songe nous, côté nous teye, dans le fond la boue, côté nous teye, dans tout, côté nous teye, Seigneur, où te songe la vie nous, où te changer la vie nous, où te changer nous de direction ça, oh Dieu, de direction malsaine ça, de direction qui va de ou même ça, la direction qui va être volonté ou ça, valeur ou de songer nous, papa, nous bénissons, nous apprécions, nous bâtons gloire, honneur, quand même seul mérité. Merci pour amour, merci pour compassion, merci pour protection, merci pour miséricorde, merci pour faveur éternelle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Sauveur éternel là. Merci grand roi. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Ton Dieu t'a rendu nous le saint. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Moi lève j'aime. Moi garde mon yo. Moi dis qui moune, alléluia, qui bon m'a besoin de secours. Éternel me dit qui bon m'a besoin de secours. Alléluia, secours moi sorti dans Seigneur, secours moi sorti dans mon Dieu. C'est lui-même, alléluia, qui vient ciel la terre. Ou pas gen pareil, Seigneur. Ou pas gen l'autre monde qui soute chita sous tête ou pas gen l'autre monde qui domine sous même. Éternel, c'est au même seul qui domine. Alléluia. Domine sous la vie nous. Domine sous pensée nous. Domine sous petite nous. Domine sous peuple. Sous peuple bon Dieu. Éternel, nous marre tout ça. Alléluia. Qui a l'encontre. Alléluia. Du peuple de Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Qui a l'encontre. De volonté pas, tout ça c'est à Dieu qui empêchait le peuple de Dieu grandir, tout ça c'est à Dieu qui campait en croix, alléluia, alléluia, la volonté à ta volonté Seigneur, nous marrer, et nous, alléluia, nous casser, toute chair.
chen sa yo ki mare, tout sa yo se Dieu, alléluia, ki kapa bon défi. Alléluia, nan royaume nan, fadelo nou mare yo, et nou détrui yo, nou casse yo, pour le nom de Jésus capable lever, pour le nom de Jésus capable exalter, pour le nom de Jésus capable glorifier, parmi un grand nombre de peuples, parmi un grand nombre de nations, alléluia, toutes les nations m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, elles m'environnaient, et me fait tomber, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui sont sur le tombe. Si une armée se campait contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. Car je dis, alléluia, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est notre secours. L'Éternel est notre couverture, l'Éternel est notre force, l'Éternel est notre vie, alléluia, que peuvent me faire les hommes, alors, nous comptons sous même, nous gardons sous même, nous croyons où Jésus, nous croyons où Father Lord, nous n'avons pas l'autre espoir sous tes ça, nous n'avons pas l'autre monde capable de nous sous tes ça, c'est pour tes ça, cher Seigneur, nous voulons une conscience qui pure, nous voulons une conscience qui lave, nous voulons une conscience qui purifiée par l'eau de la parole, nous voulons conscience qui nettoyait. Alléluia. Afin que, cher Seigneur, nous pas marcher dans l'orgueil nous encore. Nous pas marcher selon nous-mêmes encore. Nous pas marcher selon tête nous encore. Mais Father God, dans le nom de Jésus-Christ, Father God, nous va faire qui choisit de nous-mêmes. Nous va faire nous des protocoles dans le royaume de Dieu. Nous va faire nous des étoiles. Alléluia. Alléluia. Des chandeliers. Alléluia. Parmi nation, yo. Father Lord, c'est santé promettre nous, c'est santé qui est pour nous, alléluia, c'est lui-même nous cherché, c'est lui-même nous venons réclamer, alléluia, nous marrer porte la mort, nous marrer la mort, nous fermer porte la mort, nous détruire porte la mort parmi le peuple de Dieu, alléluia, nous détruire, alléluia, maladie incurable parmi le peuple de Dieu, nous marrer, c'est Dieu, toutes sortes de, alléluia, de pauvreté dans le royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, car Dieu nous a, son Dieu qui chargé, alléluia, avec bonté, lui chargé avec richesse, lui chargé avec santé, lui c'est santé même. Il est le beau chandel comme ça. Glory. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Glory to you, God. Glory to you, Father. Alléluia. Grenio yo plein, Seigneur. Grenio yo plein. Grenio plein, Father Lord. De toutes sortes de provisions. De yo yo plein, Father God. De toutes sortes de bénédictions. Grenio yo plein, Father God. De toutes sortes de pureté. Grenio yo plein, Father Lord. De toutes sortes de sainteté. Grenio yo plein, Seigneur. Plein de miracles, mon Dieu. Plein de miracles dans le grenier. Grenier, yo plein, Father Lord. Avec les dons de l'esprit. Avec les neuf fruits de l'esprit. Grenier, yo plein, Father Lord. Avec toute espèce de bénédiction. Éternel, désormais. C'est pour être ça, Seigneur, nous connaissons. Comme papa, nous. Comme papa, nous. De nos paroles, Father Lord. Nous pouvons que je moue. Alléluia. Alléluia. Moutsa, au cap servi ou, a demandé charité, yo bako jan mwen, mout sa yo kap servi ou, a souffri de maladie, alléluia, incurable, Father Lord, mais dans le nom de Jésus Christ, alléluia, grenyo yo plein, alléluia, c'est pour être sincère, Dieu, nous venons épuiser dans pur là, nous venons épuiser dans grenyo là, nous venons tirer de l'eau, nous venons tirer bénédiction, nous venons tirer abondance, alléluia, nous venons prendre abondance, nous venons chercher abondance, nous venons tirer de l'eau, nous venons tirer de l'eau de la parole, nous venons tirer de l'eau, alléluia, la puissance divine, la puissance d'en haut, nous avons besoin de l'huile, alléluia, pour l'homme nous bien éclairé, nous avons besoin de l'huile, Father Lord, pour l'esprit nous bien, alléluia, bien nettoyé, bien éclairé, Father Lord, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, on va faire nous des protocoles.
c'est pour ça, Seigneur Dieu. Nous comptons sous même valeur. Nous comptons sous même bon Dieu. Nous comptons sous mon terre. Nous comptons sous grâce. Nous comptons sous faveur. Nous comptons sous faveur ça. Qu'après nous voulons pour nous tous les matins. Nous comptons sous faveur ça. Sous grâce ça, Seigneur. Qu'après nous voulons pour nous tous les matins. Papa, nous comptons sous même. T'en prie, papa, mon Dieu. Qu'après j'aime bien des filles. Pour nous savoir qui obéir. Pas j'aime, Seigneur Dieu. Alléluia, gain déception. Pour savoir qu'on cherche de tout cœur. Éternel, nous voulons chercher de tout cœur. Ou t'as dit si nous cherchons de tout cœur. Ou va faire nous joindre nous. Ou va faire nous joindre nous, Seigneur. Prochez oreilles. Prochez oreilles. Prochez oreilles. Prochez oreilles. Prochez oreilles. Prochez oreilles. Fallait l'or. Ou qu'on est voix ça yo. Ou qu'on est rêve ça yo. Ou qu'on est rêve ça yo, Seigneur. Ou qu'on est bruit ça yo, mon Dieu. T'as des bruits gauche nous. T'as des bruits gauche nous. T'as des bruits gauche nous. Fallait gal. Oh, il obochande la gabasaya. Glory to Jesus. Glory to you, Lord. Glory to you, Jesus. Oh, sweet Lord. Sweet Father. Sweet God. Hallelujah. Ou pas gen tan kou. Ou pas gen pareil. Ou pas gen moun ki semble ou. Alléluia. Pas de monde qui t'en couvre, Father God. Vous êtes seul, mon Dieu, dans le ciel. Vous êtes seul, maintenant. Vous êtes seul, sauver nous. Alléluia. Qui est-ce qui a sauvé nous, c'est pas vous-même. Qui est-ce qui a délivré nous, c'est pas vous-même. Qui est-ce qui a changé les circonstances, nous, si c'est pas mettre des circonstances là. Qui est-ce qui a changé les circonstances, nous, si c'est pas mettre des circonstances là. C'est vous-même qui mettez des circonstances. Père éternel, c'est vous-même qui mettez des circonstances. Ou c'est auteur des circonstances. Ou c'est créateur des circonstances. Father God, alléluia. Qui est-ce qui a sauvé nous des circonstances, nous? Qui est-ce qui a retiré tout le monde, ça, yo? Qui est-ce qui a retiré tout ça, yo? Éternel, les hommes! Par la loi! Jesus! Jesus! Precious Lord! Glory to God! Praise! Praise the Lord. Praise. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory.
Yeah.
utashangaa sauti yake ya nguruma ya jeza yote anga ndani yake nimetulia niweke yangu nanga sio ndoke sipoto tunajopaka kuna bala sijalilesi sina stress kani bless sijaka samani daima moyoni taimba sitalia fikiria metulia nilipia kani feel kawa real nika heal sina bill.
créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ son Fils unique, qui donne la vie éternelle à quiconque croit à sa mort et à sa résurrection pour la rémission des péchés. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Pareil au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel à plus de son de la cloche. Le temps de la paix est proche, le diable se rapproche. Son but bête au plus grand nombre, dans sa poche. Il use de tous les ruses pour éloigner l'homme de Dieu, bloquant celui-ci l'accès à la parole qui pourrait le rendre pieux. Autour de l'existence de Dieu, il crée des polémiques, disant que si Dieu existait, pourquoi ce monde aussi s'inhibe. Il endort les hommes avec ses inepties, ceux-ci plongent dans le péché des dents, ils s'asphyxient. Nous on a choisi le Fils, on a choisi Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le Christ. Dès lors, le diable a décidé de nous faire la guerre, il cherche à nous faire tomber avec ses griffes de Lucifer. De Dieu, nous nous approchons, on persévère, on affiche nos ambitions, grands jours éclairs. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel, à jamais, nous vivons aussi dans le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde les armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde les armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Au coup de ce siècle, la guerre est spirituelle, pas de fusil à canon, on parle pas de matériel. En tant qu'enfant de Dieu, la parole nous propose des armes. Ouvrons la Bible à Éphésiens 6, on s'arme, mettons en horreur la vérité pour ceinture, enfant qu'on ne soit jamais nu. Là c'est sûr, pour cuirasse, la justice qui esquisse la vie glorieuse du Fils, pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, pour qui nous sommes le sel. Par-dessus tout, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits du malin voix, les prières nécessaires, chargées de supplications, une veille persévérante pour leur exécution. Dès lors, nous avons l'arsenal dans nos vies, nous ne laisserons jamais faire le mal. Non, 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 à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Tiens la tête, toi tu sais t'es, nous sommes à mission, les paramètres posés, on fonce l'imbécile, on se colle à Jésus, nous sommes comme ses pions. Thanas a crié à brailler notre foi comme des grillons, la rage de vaincre dans notre cœur la détermination. Comme Roger Millard dans une surface de réparation, semblable à Carl Lewis à la traîne, un condamné à mort qui trouve injuste sa peine. On doit diffuser partout, n'importe où l'évangile, le nom de Jésus doit être cité et que ça file. La Bible est notre asile, la moisson est grande, frappons dans le mille. La meilleure défense c'est l'attaque, la contre-attaque, on attaque, on foudroie les œuvres du malin. Surtout, on lui fait pas de câlin, et moi je continue à dire non, non, à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde.
Jésus connaît, alléluia. Il connaît là où on a la peine. Il connaît là de l'ange. Son papa est tout ça, nous guérit le ciel là. C'est pour nous prier là que la foi. Parce qu'il connaît. Il connaît. Papa connaît. Jésus connaît. Seul il connaît. Elle y connaît. Jésus connaît. Ouais,
Chapitre 10. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt, chaque année, toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes. Il ne se sentirait plus du tout coupable et on n'offrirait plus aucun sacrifice. Mais bien au contraire, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu : Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande. Mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, « Me voici, je viens faire ce que tu veux. » Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes, et nous sommes alors purifiés du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. Puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont purifiés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord, le Seigneur dit, voici l'alliance que je vais faire avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple. C'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche.
Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant ce qui va arriver. C'est-à-dire le jugement et un feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à la loi de Moïse, deux ou trois témoins doivent dire s'il est coupable. Dans ce cas, on le tue sans pitié. Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure, n'est-ce pas? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'Alliance qu'il a purifié du péché. Il insulte l'Esprit Saint qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Oui, nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, je donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a dit aussi « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous ce qui s'est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière de Dieu. Tout de suite après, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté en combattant durement. Ou bien, on vous a insulté et on vous a fait souffrir devant tout le monde. Ou encore, vous avez soutenu ceux qu'on traitait de cette façon. En effet, vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, parce que vous le saviez. Vous possédiez une richesse plus grande et qui dure toujours. Alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. En effet, dans les livres saints, on lit « Encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui vient sera là. Il va venir bientôt. » Dieu dit « Celui qui croit en moi est juste, et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. » Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Entre tú
claro ya, ¿ok? Lo que pasó. Chanter son nom, c'est lui qui m'a donné la vie, la paix, la joie, la santé aussi. Il m'a aimé le premier. Comment ne pas louer Yahvé après tout ce qu'il a fait pour moi? Quand je regarde mes frères, je me dis. Alors, louons Yahvé. Mais je chanterai ton nom. Comment ne pas pousser des cris de joie à
monte, ça monte, ça monte. Aïe, 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 aïe. Tout le monde pousse les grands cris de joie. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Wouh! Toujours avec nous.
dis ça avec ton cœur. Visible sous l'empire, victorieux même à 10 000 contrats.
mal est pressant, plus la victoire est grande. Plus passe la pression, la misère est grande. Contre tous les assauts, nous fait triompher d'avant, les uns pour les autres, prions avec instance. Je vais célébrer celui que j'aime.
Fana Djabou yo Karish la. C'est pas où ça y est, je une photo na Kouidi Goa. C'est non ma coupe bit la guide, mais pour y être sous yo, elle est Jésus. Maria Kobe Douala. Dis-moi, comment fait la Josia? C'est non ma Kobe Bit la guide, mais t'es bon, y'a tout yo, elle est. Jésus, 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 Jésus. Ouais, tout le monde vient approcher téléphone, c'est là-bas. Pour qui ça, téléphone l'église, pour qui ça? Pour qui ça? Et l'église, où vient adorer, pour voir la téléphone, vient ploguer, vient faire une grimace. La paix, bon Dieu, à verre. Amen. La paix, Jésus, bah, à la verre. Amen. Matin, c'est pour moi un contentement, une joie, une accélération pour me venir là. Si je regarde le tableau, journée hier, c'est pour m'arrêter de coucher. Il y a quelques bien-aimés qui avaient parmi les visiteurs. Les mal à Paris, c'est eux-mêmes qui prennent soin, eux-mêmes qui aident. Et puis, ils ont téléphoné, ils ont dit, ils viennent à Haïti. Ils viennent faire quelques jours pour me dire, qui joue pour eux venir. Ils ont dit, dans la date là, ils ont dit, Léa, bon, ma bonne liberté. Et puis, ils ont fini vraiment. Ils ont demandé, c'est Ivan, font ils camper pour eux. Ils ont marché, mais quand même, font ils camper. C'est une visite avec toute cousine qui est là, ils sont à Paris. Ils sont à Paris, et puis. Il était venu mener juste la colline d'Aquin hier. Sister Ivan avec ses mimoses, il était à Paris, il vient faire un séjour à Haïti, il était demandé c'est la carme au descend. Il était la colline d'Aquin hier mal chercher et même coup machine en pile. Il est rentré, m'a rentré directement dans la calam, on croise à Cafou du Fort à 3h là, m'a boalé, m'a été Cafou du Fort et puis rentré avec eux à 10h du soir, rentré avec eux. Il est m'lagué comme et puis pendant on a chanté la prière et puis les seigneurs réparé dans chant. Et qui fait m'ca camper là matin, mais autrement dit m'balap ca camper. Merci. Dis seulement bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bon Dieu bénis-nous. Merci. J'ai rencontré Saïvan à Paris. Du côté de descendre dans le presbytère, c'est lui qui est là pour te faire manger pour moi, faire tout le bagage. Mais là, nous attachés ensemble. Il kembe mon pile, il soutenait le ministère mon pile. Et il vient ici, c'est comme mon maman. Il vient à deux garçons, à fond camper, monsieur, seulement camper, nous camper. Deux garçons, deux petits garçons, il gagne. Et puis c'est comme ça, bon Dieu. Je ne sais pas comment une amitié pas carité. Je ne sais pas qu'il ne faut pas qu'il y ait un monde pour longtemps. Bon problème. Haïtien, par contre, ça veut dire respect du droit. L'eau avec le monde, il faut le gaspiller, il faut le jouir. Pourquoi ils ne sont pas qu'à nos amis avant pour longtemps? Pourquoi ça? Dans le monde, il faut faire réflexion. Pourquoi ils ne sont pas qu'à arrêter avant pour longtemps?
Haïtien pas respecter caractère monde, haïtien gaspiller monde. Et ceci dans tout domaine. Depuis mon nan ou soumis devant et puis il sorti pour le gaspiller. Il sorti pour faire tout en capette pour le scier pieds sous. Dans le même matin pour consolider, pour soigner même monde qui a servi. C'est ça mando matin. Eh bien, n'a pas avancé justement. Nous gagnons devant nous un texte. Texte ça, il est suivi dans l'autre texte. C'est dans Genèse chapitre 50, les versets 22 à 26. En Genèse chapitre 20 et 50, c'est les dernières réunions de Joseph avant sa mort, réunion eschatologique. En Genèse chapitre 50, mais ça nous joint. Mais ça le dit, versets 22 à 26. Il dit, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les filles d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération et les filles de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. On nous fait un petit coup de pied, puis devant en Exode 13, verset 17 à 22. Genèse 13, Exode 13, disons, verset 17 à 22. Et lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu le conduisit par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourne en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Il partit de Sukkot, il campait à Itam, à l'extrémité du désert. Seigneur, nous bénissons encore une fois pour approcher côté. Ce n'est pas trop facile, l'homme de matière, l'homme de chair, pour approcher devant Dieu si saint. Mais quand même, la Bible dit, heureux celui que tu admets en ta présence. Mais si vous d'accord, nous venons devant, malgré une bague d'indignité, une bague aucun mérite. Mais dans grâce infinie, pour accepter nous. Permettre que l'Assemblée soit capable de jouer une parole pour faire route là, route là longue. Il y a qui fléchit, il y a qui bronche dans route là, mais il y a qui continue à accélérer le pas jusqu'à l'arrivée. Au nom de Jésus. La paix bon Dieu avec vous. Laissez-nous analyser deux textes. Ou bien un verset qui servit de pont entre deux textes. Qui pont lié, c'est comme quand elle dit Dieu vous visitera. Joseph te dit une parole, et puis parole la maintenue, parole la soutenue. Et qui m'en doit matin pour me parler sur la sagesse de Moïse et la fidélité de Dieu. La sagesse de Moïse, Moïse en dans un programme. Moïse, pas d'une personnalité en ce sens. Et ça m'a dit à son bagage qui t'a mené une étude en profondeur. Pour chaque monde a réfléchi qui j'aime faire là, quand elle sorti, ça l'a fait là. Parce que bon investissement fait là où, bon des gros rivaux, ou pas de doué pour en vivre pour vous. Parce que bon investissement qui fait là où, l'on a vivre ou t'a doué vivre pour restituer. Dans les grands pays, ils ont investi dans les étudiants. Et puis ils ont fait toute étude net, sans pas dépenser rien. Mais elle vient diplômé, le gradué, considérablement, la restituer. Hein, investissement. Ça m'a dit à la ligue portée généalogique. Bien nous là, nous disons un problème, nous difficulté. Disons, nous avons dit parents nous, pour maman nous a dit qui j'en fais, dans quel contexte qui fait nous, et dans quelle famille nous prend naissance, pour nous avoir un pourcentage de Dieu dans la vie nous. Parce que les femmes nous prennent naissance. Pas de moyens pour passer. Des gens la ville tracé mal depuis dans qui monde qui pas parle.
Je dis à nous papa, nous maman, pour un petit yo, comme on bibelot, on bijou, il y a joie éducation timounio. Et qu'on canal éducation maman, papa, il dérange ou. Il dommage ou, parce qu'il n'est pas sévère. Parce que maman, papa, il n'y a pas aucun mandat pour continuer à avoir jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Et peut-être c'est la moitié où tu as la guerre, peut-être au cours de tout cas disparaître là devant. C'est-à-dire, maman, papa, c'est pour faire très attention à l'éducation de Timounio, pas tolérer, les faire saleté à filer devant le monde, pour que demain les dalles quittent, pour qu'ils prennent meilleur. Parce que nous remarquons qu'il y a quelqu'un qui est trop tolérant, il y a trop chouchouté petit Timounio, et puis qui fait Timounio pas respecter Timounio premièrement, et qui fait Timounio tout, après bon, le ministère. C'est une raison, et il mourit vite, parce qu'il était toléré petit Timounio. Timounio a fait saleté, c'est pour la ville devant la société. Parce que quand je fais couvrir ça, moi je suis petit, deuxième petite fille, là le marié sans permission, mettez-le dehors la caméra, jusqu'à présent, je ne vais pas côté. Et ni pas besoin de côté de l'été. Et l'évangile sacre maintenant, c'est mon héritage qui est son faveur, bon Dieu femme, m'a arrêté piste, m'a bien de respecter l'évangile. Mettez-le. Il est dans le téléphone, papa, nous ne pouvons pas besoin de pardon. Pas besoin de pardon, son route nous avons fait ensemble, ou choisi pour descendre, m'a toujours allé, c'est où que papa aller. Et mettez me faire ça comme exemple pour petit, pour l'autre derrière, ouais, ça. Parce qu'on tolère un souffle dans le monde. Ouvre la barrière, tu peux faire saleté et tout. Même sévère, je vais prêcher l'évangile sous chair. Et puis la caille. Non, même l'évangile, ça m'a prêché à la caille et tout. Petite fille, je viens, je viens, je là, je marié, monsieur. Bon, je vais reconnaître monsieur. L'un tape marié, je vais sous une barrière. Tant que je des machines à klaxonner, je ne vais aucun approbation. Et jusqu'à présent, je ne vais pas reconnaître ma mariage. Il a dit là, je ne côté le temps, je ne sais pas qui prend le temps, je ne côté le temps. Parce que l'évangile, ça qui n'a même, même sous ton mauvais famille, sous ton mauvais rat, je vais lever tête, je vais dire que les gens sont sales. Je vais dire que les gens sont fatras dans le salon de l'évangile. Jamais. Dans 2 Corinthiens 16, verset 16, 2 Corinthiens 5, verset 16, il dit, je ne connais personne dans la chair. Si on a la chaîne, on a petit, on a rien. On a petit, on a mis la là, pour suivre l'évangile là, c'est ça m'a quitté pour comme il a même pas la tolérance. Et me dit petit, moi, il fait philosophie, s'il comprend, il va le coucher sur un petit bon, il va me marier là avec. Je vais plaisanter. On a fait petit, je vais marier 7 fois avec. On dit, où est-ce que c'est ça? Il sorti, il va là, on dit ça déjà. C'est philosophe lié, il y a connaissance, il dépense pour lui, dans l'université lié, et puis l'idée sans tête, il a couché son petit bon qui est avec, m'a marié là. Moi-même, elle est venue pam. M'a bien tolérance petite moi-même. Eh bien, mes frères, dès que quelqu'un investissement fait pour nous dans l'évangile là, on fait toute vie ou doué. On va pas payer. Ça fait que débat nous fait dans l'église, nous ne pouvons pas faire intéressant parce que nous mangeons comme ça déjà. Il va faire pour mon Dieu. Son acte de reconnaissance. Oui. Mais mon Dieu investit. Et moi-même, mon Dieu. Quand vous avez moi-même, mon Dieu. Moi-même, mon Dieu, c'est seul patron qui investit dans le monde sans vous croire. L'autre patron, il peut investir dans vous. Il m'a donné papier, il m'a donné pièces. Il m'a donné bonne bagaille. Jésus commence avec nous à partir dans rien. Si même si je vais aller respecter quelqu'un qui l'a respecté, c'est dans ma chaque bon Dieu, je vais me dans ma chaque bon Dieu. C'est dans ma chaque bon Dieu, je vais numéro pied. Non, chaque bon Dieu, je suis 16 costumes, 46. Je suis 16 pantalons, 38. Non, chaque bon Dieu. Bon, ou pas, je suis ça. Même si je suis de l'autre côté, je ne suis pas fatigué de vendre. L'investissement, bon Dieu, fait en haut. Mais je ne suis pas capable de chercher un monde qui va jouer. Quand le monde, mon Dieu. Quand le monde, mon Dieu, prend l'hôpital dans sa opération. Quand nous. Il n'y a pas de ramasser son crop dans l'église. Ou même pour débloquer son gain. Pour pas. Mon Dieu, pas nous demander de charité. Parce que mon Dieu, il y a des gens. Il n'y a pas de réaliser là. Ou dit, mais pas. Et là, je ne vais pas faire un bon Dieu. Non, il y a des gens même. Je vais donner l'église à Bindi. Bon Dieu, vous avez béni. Ça, c'est catalysé. Son marketing. Parce que les gens, mon Dieu, il y a des gens. Depuis là, vous rentrez dans sa opération. Bon Dieu, il y a des gens. Depuis vous faites, puis vous me casser. Et me dégon dame qui dit dans le bureau, ça boulon pied, boulon nez. Il dit, vous avez une douleur, parce qu'il a fait un pied. Ou même pied au sein, petit. Qui dépense pour faire pour mon Dieu ça? Je
comme sous ce passage là, Joseph l'a pas mourir une inquiétude. Qui inquiétude Joseph gagne? De la présence de Joseph sur la terre de Gozen, peuple a été sécurisé. Joseph fut le numéro 2 de l'Égypte. Avec la présence de Joseph, le peuple d'Israël dans la cour de Gozen, dans la cour de Pharaon, était privilégié parce que le premier ministre là, c'est même nature avec eux, et bien le couvrir. Mais l'inquiétude Joseph, c'est le fait que l'ombrage de la mort a approché sous lui, et bien il dit dans lui-même, l'est allé, ça peuple ça devenu. L'est viré. L'est l'ombrage la couvrir. Que j'en peuple là-bas fonctionner dans la cour. Et Joseph te réunit les fils de Marquis, les fils de Manassé, et puis il chita avec eux, de l'eau couler dans les yeux. Mais ils disent en parole deux fois. Il dit, Dieu vous visitera. Et puis l'elfine dit encore, il redit même parole, encore dit, Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux loin d'ici. Lorsqu'on font analyse psychologique dans la pensée de Joseph, où ce petit Joseph a visionné plus de 93 ans la sortie de l'Égypte. Mais pour qu'on libérateur promis, qui est à camper à la tête pour conduire le peuple vers la terre promise. Mais dans la prière de Joseph, l'excité mon Dieu, suscité un libérateur promis en la personne de Moïse. Moïse prend naissance dans une période de crise. Parce que l'inquiétude que Joseph a gagné, il va miser dans l'exode premier, Pharaon monté en la personne de Ramsès. Il est troublé de la croissance vertigineuse des enfants d'Israël sur la terre de Gozen. Il te fait deux gros réunions. On a fait deux gros réunions. La première réunion, il fait avec les sages femmes. Il dit les femmes sages, elles ont accouché famille boyo. Sinon, elles font petit garçon trangler. Vous elles sur le bord du Nil. Sinon, elles font petit fille qui te le vivent. C'est l'autre phare. Femmes sages ont senti un eux-mêmes. Ils n'ont pas aidé à exercer ou bien exécuter des sons criminels comme ça. Ils ont quitté l'eau à passer. Ou à relayer encore. Ou a dit mesdames, et c'est pas dit dans la couche famille bouillot, si petit garçon pour nous tranquille, c'est fille qui est ville, à pas moi peuple a grandi dans la cour, famille dit, femme ça je dis, wa, et dans la couche famille bouillot, yo qui t'a accouché avant même nous paraît. Pendant bébé après, il ne s'est pas fait crime ça. Ou a secouté, ou attendez, ou a comprendre, ou a passé en vitesse. Qui vitesse dit passé, dirait les centeniers. Des hommes qui ont maniement glaive, des maniements zam, et ils font réunion avec eux. Ils disent, monsieur, est-ce qu'on va s'émenter pour la souveraineté de l'Égypte? Il dit oui. Il dit, mon peuple qui a grandi dans une croissance vertigineuse. Dans la quoi? On a pas monté nous habile devant le peuple ça pour nous freiner la croissance ça. On va contrôler le camp des Hébreux. Les femmes nourrissures, les nappes dépouillées nourrissures. Si nous sommes enfants mal, voyez-les attraper avec glaive. On nous a rapporté, chers amis, chaque matin, sur le bord du Nil, on a découvert les cadavres des enfants mâles. Les enfants, les petits-enfants, les petits-garçons, à nager dans le sang, parce que glaive pharaon, pas des paniers. Mais ça, belle, mon Dieu, bon Dieu va respecter crise. Bon Dieu, toujours au-dessus de crise. Et là, on est chrétien. Ébranlement pays bouleversé pas qu'à faux peur. Parce que bon Dieu a servi à au moins il à la tête. Regardez qui côté Moïse a le prendre naissance dans période de crise. Dans période côté que les glaives de Pharaon pas épanier les enfants mal et puis bon Dieu choisit. Dans mon prière, il y a des prières qui méritent pour faire dans le vrai sens. Ce n'est pas un problème pour nous gagner. Cherchez trace la vie, cherchez route, cherchez programme. Où est-ce qu'il y a un programme? Mon Dieu, je ne pas un programme. Non. Parce que nous travaillons dans une compagnie. Il y a trois chiffres de travail. Il y a 7, 3, 3, 11, 11, 7. Mais il y a des chiffres de travail. Où il y a des types de travail. Nous ne pas rencontrer même parce que nous n'avons pas les mêmes chiffres. Alors moi, ma prêché l'évangile là, ma entendre prêcher même avec quelques prédicateurs qui prêché, et nous baguer même chiffre de travail. Amen. Je fais ma pile menace pour me prêcher, prêchons l'autre, j'ai amélioré. Mais je bon Dieu dit me prêcher, comme ça m'a prêché. Même s'il menace, même si vim, même si des hommes campent quoi, je ne peux pas payer.
n'a prêché l'évangile nous-mêmes. Ça fait joie que moi-même, dans la prédication de l'évangile là, tout n'a qu'il est contre vous, n'est qu'il n'y a pas de bon témoignage. Quoi problème là? Si c'est homme de Dieu qui est levé contre moi, je suis peur, oui. Je suis dit font mauvaise gérance de la parole. Mais tout n'est qu'il est contre moi, qui fait combinaison raquette, les al point ligno, il n'est pas propre. Il y a qui a siégé l'église pour l'église comme bien parle, alors que l'église sont institutions, on ne peut pas prendre l'église comme bien parle. C'est pour une pharmacie, un boulanger, un matériel de construction, prendre une part de signature. Mais l'église, une institution, on ne peut pas prendre comme bien parle. On ne peut pas prendre l'église pour passer une petite, tout son vol lié. Si petit a qualifié, le bon Dieu, assemblé à commander. On ne peut pas venir basculer les petits non assemblés. À son vol lié, son violation lié. Et c'est même un crime. Ah, mais les gens disent, l'évangile, ça ne va pas avaler, mais m'a toujours prêché. Parce que l'on regarde où l'église qui ont institution, ça va petit passer à seulement qualifié. Nous avons des enfants qualifiés. À nous chercher qualification. N'est-ce que vous prenez l'église comme bien par à passer petit au fin de m'embaucher, qu'on n'a pas le voir petit toujours m'embaucher. Elle dit pas aucun monde n'a pas écouté pour une basse là, non. Si je n'ai pas de consécration, la prière chercher bon Dieu, pas de monde qui a bon passé, non. Qu'on n'a pas passé, qui bon. Moi-même, quand je dis des tigres de mots sous chair là, c'est genou la prière qui est là, n'est barré moui. Les passés, elle gêne avec moi. Il faut m'en dire, oh. Ma prédit qu'attendez, hein? Parce qu'il va vler, il aime sous chair, il aime parler, mon attendez, il s'est gêné avec. Mais bon Dieu dit non. Faut petite soit être là, gagne quoi, non même tout. Nous va faire d'amis, quoi, mais quoi pas pour nous. Mais quoi pour le monde qui qualifié, mais quoi pour le monde qui consacré, mais quoi c'est pour le monde qui est bon, non. Mais quoi pas pour la famille. Mais quoi les pour le monde qualifié, mon Dieu, mon Dieu. Regardez qui en a contribué mon l'église. Nous toujours sous dette. Si nous ne pouvons pas croyer, nous ne pouvons pas la dette ça. Mais nous presque n'a pas avancé, n'a pas avancé. Pour nous arriver là, pour passer dans mon l'église, comme ça va petit lit. C'est pas possible, mon cher. Que les meilleurs que nous ensemble. Même si ça fait rêve, ça va bon. Si petit la qualifié, il y a une consécration toute mon Noël, assemblée applaudit. Mais le pas de noir, parce que les petites n'assemblées. Si vous visez à consacrer pour tout le monde sainte mon Dieu sous lui et puis nous voter. Et nous pouvons voter, les balles pour nous. C'est ça en pile, messieurs, vous voulez faire, qui ne veut pas parler l'évangile ça. Bien qui qualifie petit, mettez le petit, préparez, elle fait pièce petit en bachal. Elle prépare petit en bachal. Et ça paye mon Dieu ça. Comme mon Dieu signe l'être évocationnel, ça vous dit, moi je vais vous soucher, il est évoqué. Ils ont plus belle vie aller à la mienne, ils pas les films, ils pas le dommage, ils ont fait ça, ils ont gaspillé l'église, ils ont gaspillé la conception de l'église. L'église a son institution, ils ne peuvent pas apprendre comme bien par nous, ils ne peuvent pas apprendre ce que nous voulons prêcher, que je viens parler pour nous, ils ne consacrent pas parler pour nous, non. Ils ne consacrent pas pour parler en vertu de commission que Dieu va le faire. Ils ne regardent pas taille, ils ne cherchent pas grâce, ils ne viennent prêcher pour manger, ils ont parlé pour nous. Mais ils viennent prêcher l'évangile. Avec détermination, l'a dit ça, mon Dieu, il dit, allez ça de Michel. Il a cherché Michel, la carrière de Michel. Nous connaissons les paroles, tout le monde en travers. Tout le monde qui est en train de dire, Michel dit, m'a dit ça, mon Dieu, dit, m'a dit. Tout le monde qui prend l'église, gaspille l'église, fait n'est pas une prêcher, dépenser billet d'argent, gaspille comme l'église, prédit qu'elle a mis des souliers pour mettre en pied, et puis après, chercher mon autre bord, l'aile pour aller balle comme en Américain. Alors que les nègres préfèrent discipline, ils vont soulier maintenant bien. Avec ça, il y a un garçon sous yo. Et c'est la figure dans la lettre de révocation. Même quand on n'a pas, il y a un gros remède. Il y a une lunette, il n'y a pas de lien, il y a cette lunette là. Il y a commencé à vendre déjà. Allez, présente. Il y a un temps mettre lâche dans le bois. Tout le monde. Pour l'église a fonctionné depuis des années, il y a mon prédicateur. Tout le réveil qu'a fait, c'est prêter petit garçon. Son jugement, ça y est. Parce que la Bible déclare ce que vous avez entendu de moi, et en présence de beaucoup de témoins, confilé à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner. Les gens regardent les statistiques, l'église, ça, on prie pour l'église sans pile. Statistiques, ça, qui viennent par plusieurs départements, plusieurs sections. Quand on voit ça, ce sont celles qui chefs, oui. D'autre côté, ce sont celles qui sont souverains, sont monarques, c'est la monarchie. Tout ce qu'on balle, c'est des sujets. Mon qui va gagner qu'à décider, c'est celle-même qui vous discutez. Tout n'est pas considéré un obstacle pour l'église. Il a péché l'église à marcher. Et tout le même programme, vous avez tout pour l'ensemble. Et t'as belle pour tout à l'ensemble, à la miable. Levez main, allez. Parce que nous, riches, nous millionnaires, nous pile l'argent, nous ne pouvons encore nous mettre à aller. Mais l'église, on souffre. Et
demandez l'église ici, s'il vous plaît. Les nappes fait construction à la fin. Pas jamais mettre esprit, vous mettez radio sous l'église. Et les radios sont censures. Un homme qui met une radio sous tête, l'église, c'est un crime. Et l'église a des trop dépenses. Qui leur paye un caille pour un bien-aimé pas capable? Qui leur met une kivette dans la tête au malheureux pour bien trois serviettes, trois sables? Toi-même tu sais, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Tu es envahi par les soucis de la vie, la tristesse se lit sur ton visage. Ah bon? Ta vie est désespoir, mon frère, lève-toi. La copelle est là, mon cosy à ma cosy. Que faire? Ton âge est avancé, tu ne sais plus. Il est bon, c'est l'Éternel. Flash Bible.
Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat. C'est le temps que nous prenons dans chaque émission Flash Bible pour découvrir un livre de la Bible. Comme ces livres comptent souvent de nombreux chapitres, c'est difficile d'en faire le tour. Mais aujourd'hui, la tâche va être un peu plus facile car Jacques-Daniel Rochat, vous allez nous parler d'un petit livre qui ne compte qu'un seul chapitre et 25 versets. Alors ce petit livre est la lettre que Paul écrit à Philémon, probablement vers l'an 60. À cette époque, Paul est vieux et il est en prison. On l'a vu dans d'autres émissions, Paul a écrit le plus grand nombre de livres du Nouveau Testament. Pourtant, cet homme, ce n'était pas un des disciples du Christ. Alors, comment ça se fait qu'il joue un rôle si important? Alors, la vie de Paul, c'est vraiment le parfait exemple de la transformation de vie que Dieu peut faire. Parce que Paul, d'abord, s'est illustré par sa haine envers les chrétiens. Il les persécutait, il voulait leur mort. Et pourtant, un jour, il a une révélation du Christ, ressuscité, surnaturel. Et cette expérience le conduit à devenir le témoin du Christ. Il va fonder plusieurs communautés dans l'Empire romain. Il va se déplacer, faire beaucoup de voyages. Et ses liens avec les églises qu'il a créées, de tout ce témoignage qu'il va apporter dans le monde de l'époque, eh bien, le conduit à écrire aussi de nombreuses lettres pour garder le contact. Dans nos émissions, on étudie les lettres qui s'adressent aux chrétiens d'une ville, par exemple, les lettres que Paul adresse aux Romains, aux Corinthiens. Mais celle qu'il adresse à Philémon, elle porte justement le nom d'un homme. Alors c'est qui ce Philémon? Alors Philémon, c'est un chrétien qui est respectable. Et dans le verset 3, Paul précise qu'il y a une église qui se réunit dans sa maison. Cette précision nous permet de rappeler que l'église n'est pas un bâtiment, mais une communauté. Et à l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Donc, avec cette mention, on peut vraiment penser que Philémon est l'un des responsables d'une église. Et voici ce que Paul dit sur lui. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les chrétiens. Donc, si cet homme fait l'objet des prières de Paul et de son attention, c'est un ami proche. Oui, et le ton de la lettre souligne ce lien d'amitié, aussi cette intimité. On a vu, il y a les lettres qui sont écrites à des églises, où c'est peut-être plus des lettres qu'on peut donner à une foule. Mais là, on est dans une intimité, dans quelque chose de très personnel. Et dans la suite de cette lettre, Paul va souligner encore sa joie d'avoir un tel frère. Pourtant, l'amitié ne signifie pas que tout est facile non plus. Et Paul, on va le voir dans cette lettre, doit aborder un sujet un petit peu plus difficile. Un ami à qui on doit dire des choses difficiles, ça donne du relief à cette lettre. Hein. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, Jacques-Daniel. Alors oui, Paul a un problème avec Philémon, finalement. Philémon n'est pas n'importe qui, c'est un notable. Et on va découvrir dans la lettre que c'est un notable qui a des esclaves. Et l'un d'eux s'appelle Onésime. Et cet homme, cet esclave, s'est enfui et il a rejoint Paul. Philémon est chrétien, pourtant il a un esclave. Comment c'est possible ça? Alors l'esclavage est l'une des pratiques qui fait frémir et nos auditeurs africains connaissent l'impact de ce terrible fléau qui a ravagé leur continent. Donc on a cette indignation aujourd'hui envers le sort des esclaves, mais c'est pas une indignation qui est très vieille. Et durant des millénaires, il semblait tout à fait légitime d'avoir des esclaves. Vous dites que ça nous apparaît comme immoral aujourd'hui, mais à l'époque, ça choquait vraiment pas du tout. C'était même le contraire. Il aurait été très mal vu qu'un notable grec ou qu'un citoyen romain n'ait pas plusieurs esclaves. C'était presque, aujourd'hui, vous avez votre voiture, si vous avez un certain niveau social. À cette époque-là, d'avoir des esclaves, c'était tout à fait normal. Et ces maîtres pouvaient exploiter leurs esclaves. Ils avaient un droit de vie et de mort sur eux. C'était encouragé et c'était parfaitement légal. Mais ce qui est légal n'est pas forcément bon. Alors c'est des fois ce qu'on réalise pas. Hein. Des fois on va dire oui c'est dans la loi, alors la loi doit être respectée. Alors que la loi, les lois et les coutumes peuvent être très éloignées de la vraie justice. On peut prendre aujourd'hui l'exemple que beaucoup de pays ont légalisé le droit à l'avortement. Et même dans certains pays on peut avorter jusqu'au 9e mois. Donc un enfant qui pourrait naître dans quelques minutes pourrait être avorté. Ces interruptions de grossesse sont tout à fait légitimes, mais on peut se poser la question, est-ce que ce sont vraiment des actes justes envers les enfants à venir? La loi peut abriter l'injustice.
Et l'esclavage en est un très bon exemple. Quelque chose qui paraît tout à fait normal, qui ne choque personne, mais qui est profondément injuste et contestable. Alors, comment est-ce que Paul s'attaque à cette pratique qui justement apparaît comme normale ? Alors, on pourrait imaginer que Paul se mette à accuser les maîtres, et en particulier Philémon, en leur disant « mais vous êtes d'horribles tyrans !» Et puis commencer à les condamner, faire toute une liste en disant « mais c'est absolument inadmissible ». Il pourrait aussi devenir un militant révolutionnaire, prendre des armes et se dire « levons une armée de chrétiens qui va combattre l'esclavage ». Mais tous ces moyens, est-ce que c'est vraiment la solution ? Quand on regarde l'histoire, on observe que les révolutions conduisent le plus souvent à d'effroyables bains de sang. Et par exemple, la Révolution française, qui est souvent mise en avant comme étant les droits de l'homme, etc., quand on regarde de plus près, on découvre que cette révolution a conduit à d'horribles tortures et des massacres terribles. On estime à plus de 600 000 le nombre de victimes, avec des jugements arbitraires, des choses absolument abominables. Donc des violences contre l'injustice peuvent conduire à encore plus d'injustice. Oui, on peut même le voir dans les guerres. C'est que quand vous êtes dans un combat, vous avez tout d'un coup votre copain qui se prend une blessure. Eh bien, ça va vous conduire à être encore deux fois plus cruel envers ceux qui sont en face de vous. Et finalement, ceux qui vont recevoir deux fois plus de blessures, ils vont vous en renvoyer quatre fois plus, etc. Donc on voit que la violence va entrer logiquement dans un phénomène où il y aura encore plus de violence. Alors Paul, lui, ne va pas combattre justement en s'appuyant sur la violence, mais il va utiliser une autre arme, une arme secrète, en s'appuyant sur les capacités de transformation de l'amour. C'est très étonnant parce que cet esclave qui est venu vers lui, qui s'est réfugié vers Paul, eh bien Paul prend le risque de le renvoyer à son maître. C'est un risque assez élevé, voyez, vous renvoyez l'esclave à son maître. Mais heureusement, Onésime, l'esclave, n'est pas démuni, puisque justement, il retourne vers Philémon avec la lettre dans laquelle Paul va dire une chose très étonnante que l'on peut écouter. Donc Paul dit « Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même ». Donc virtuellement, Paul fait partie de ce délicat voyage de retour. C'est assez futé, ça, comme démarche, non ? Voilà, il a dit au début que Philémon était... qu'il était très proche, qu'il faisait partie aussi, il était avec Philémon spirituellement. Et puis là, une partie de moi-même, et il parle de cet esclave. Alors sur un plan culturel, on l'a dit, c'est une folie de renvoyer l'esclave, parce qu'il risquait un grand châtiment, voire même la mort. Mais Paul se place entre le maître et l'esclave. Il va s'appuyer sur une réalité spirituelle plus forte que les différences sociales. Et cette force qui élève l'esclave et qui fait s'abaisser le maître à son même niveau, eh bien c'est l'amour du Christ. Parce que, comme le montre Paul, Paul va dire « Moi, je suis ton frère, Philémon, toi le maître, je suis ton frère et je pense à toi, tu es mon frère. » Et puis, cet esclave, eh bien, c'est aussi mon frère. Les deux, donc, deviennent des frères. Et on peut écouter ce qu'il dit au verset 15 et 18. « Peut-être qu'Onésime a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Donc, si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Alors, ces paroles de Paul, moi, je les trouve très touchantes, parce que Paul ne se limite pas à faire la morale à son ami, ou bien inviter le maître à être généreux, mais il est généreux, Paul. Et il est prêt à payer un certain prix. Oui, parce que peut-être que l'esclave n'est pas parti sans la caisse, vous voyez, il a peut-être pris quelque chose, ou bien il y a une perte d'argent du fait que cet esclave devait aussi faire certains travaux. Paul prend ses fautes sur lui, donc il est le bon modèle qui transforme l'attitude des autres. Finalement, la fin de l'esclavage aux États-Unis, c'est aussi avec ces mêmes principes. Et Martin Luther King n'était pas quelqu'un de violent, il n'a pas mené des guerres, au contraire, il était extrêmement pacifique. Mais au travers de son attitude, il a pu montrer à la population américaine que l'esclave africain qui venait d'Afrique et le vrai Américain, entre guillemets, eh bien, tous deux étaient de même valeur et étaient des frères. Et cette attitude aussi de transformation, c'est aussi un peu ce qu'a pu faire Nelson Mandela en Afrique du Sud, où son attitude, alors il y avait un petit peu de violence peut-être de la part de certains qui combattaient l'apartheid, mais lui est resté vraiment un modèle qui se basait justement sur le fait que, eh bien, non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas
de différence entre les blancs et les noirs, mais ça ne veut pas dire non plus que les noirs sont supérieurs aux blancs. Non, nous sommes dans cette égalité. Et cette égalité, on peut le voir sur ces deux hommes, eh bien, elle vient de cette révélation de la Bible, de cette égalité qui est en Dieu. L'autre a la même valeur parce qu'il est mon frère en Dieu. Donc ces hommes qui étaient chrétiens, ils ont choisi la force de l'amour. Oui, aujourd'hui, je crois que on croit que c'est la loi qui peut rendre juste la société. On voit aujourd'hui un peu cette dérive dans beaucoup d'endroits où chaque fois qu'il y a une inégalité, on va dire il faut édicter une règle, il faut mettre la loi. Il faut mettre des lois contre le racisme, contre les abus, etc. Mais je pense que le problème, il est beaucoup plus profond. Et on se rend compte que la loi et les règlements ne peuvent pas changer, finalement, le regard que l'on porte sur l'autre. Parce que pour changer ce regard, il faut que ça soit à l'intérieur, que ça soit changé. Peut-être j'oserais pas dire que je suis raciste. J'oserais pas dire que quelqu'un noir est inférieur. Mais peut-être que je vais le penser à l'intérieur de moi. Et ce qui peut véritablement changer mon regard sur les autres, c'est justement le fait que je suis vraiment transformé au fond de moi-même et que je vois l'autre comme étant parfaitement en égalité avec moi. Et ça, c'est pas la loi qui peut le faire, c'est l'évangile seulement qui peut le faire. Et quand l'évangile est appliqué, cet évangile-là est appliqué dans la société, alors ça va changer les relations humaines. Et bien, au bout de 15 minutes, on s'aperçoit finalement que 15 minutes, c'est même pas suffisant pour traiter d'un petit livre biblique qu'était cette lettre à Philémon. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour conclure, Jacques Daniel ? Alors, cette lettre que Paul envoie à Philémon, c'est une porte qui nous conduit à réfléchir à la manière dont nous considérons l'autre. On pourrait très bien se dire, oui, c'est Philémon, ce maître avec son esclave, mais comment est-ce que moi-même, je considère les autres ? Alors aujourd'hui, les lois de la plupart des pays sont basées sur des principes d'égalité. Égalité entre l'homme et la femme, entre l'enfant et l'adulte, entre les races, les couleurs de peau. Ces slogans font l'objet de revendications politiques. Mais qu'en est-il vraiment en nous, et même encore plus profondément, qu'en est-il vraiment en moi ? Comment est-ce que je vois l'autre ? Comment est-ce que je vois la femme, l'enfant, le puissant ou le faible ? Comment est-ce que je les considère ? Est-ce que vraiment je les considère comme étant égal ? Est-ce que je les aime ? Est-ce que je considère que l'autre a du poids ? Et même une démocratie, une vraie démocratie, ne peut se bâtir que sur cette reconnaissance du poids de l'autre. Est-ce que j'ai laissé Dieu toucher cet aspect de ma vie ? Parce que il faut pas se tromper, c'est dans cet amour réel du prochain que se situe le vrai évangile et l'avenir de nos sociétés. Donc l'évangile et cette petite lettre que Paul écrit à Philémon m'invite à me tourner vers des valeurs qui peuvent vraiment changer mon regard sur les autres. Frère, prends ma main. Rose, Rose, si tu voudras, nous deviendrons plus forts. En s'emportant le fardeau, six, six, brisons les mythes des hommes et de la mort. Tandanani, ni de condamnation, ni de cabane, la poétie. Tandanani, sortons de la. Les feux du projecteur de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301, Pontarlier, Cedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt.
paisible. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je n'ai rien à craindre, car tu es là à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là tout près de moi. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pas passer rien du tout.
Tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux percer comme ça. Un clip rap à l'américaine, et c'est bon. Laisse tomber, cous. On est en 2012. Ouais, mais alors le rap sincère, avec des vrais textes et des thèmes qui touchent, t'en fais quoi? Tu les mets où? Y'a plus de place pour le rap comme ça. Que de la dope qui tourne sur YouTube, Facebook et tous ces trucs. Tu te demandes comment ils arrivent à percer avec des textes qui... qui veulent rien dire. Tellement. Regarde, mes textes parlent de ce qui nous entoure, de ce que les gens vivent au quotidien. Mais on perce pas. Je sais, cous, je sais. Tu veux que je fasse quoi? J'ai envie de percer, mais je veux pas retourner ma veste comme ça non plus. Je veux percer. Oublie tes principes et mets-toi dans la tendance. Check, je prends le micro, je sais qui m'autorise. Moi c'est M.I. Jazz, c'est un simple type d'entre mille. Entre mes mille passions, mes doutes et crispations, mes crises, mes joies, mes peines, mes larmes et le bis passons. Bref, tu connais l'artiste, pas besoin de résumé. Donc c'est parti, je tape la feuille sur mes sujets. Hip hop sans avoir le style Lacoste old school. Je fais ça pour le guide, pas pour la cote, au secours. Elle sommet, tu sais pour qui juste ma plume.